Eh bien non, pas de gagnant, je l'ai raté. Oh bah 3 millions. La carotte pour faire avancer le mulet, c'est pas la même. Non. On avait déjà une soupe pour 5, une Twingo pour 8. Ouais, dans les deux grilles, j'ai au moins 3 numéros. J'ai dû gagner 10 balles. Sur les deux grilles, j'ai au moins 3 numéros. Ah, quant à nous, pas pareil. Dans une interview, Sarkozy me met en garde contre la drogue et du pouvoir. J'aperçois ah, bah, quant à nous, elle pense que je moins boire. Voilà, c'était le président sans filtre. Et que Ségolène me parle des ravages, de la mauvaise foi. Merci. Elle est largement aussi belle que la bonne femme à DSK quand j'étais petit. Elle était belle, Anne Sinclair. Mais vous êtes déjà en pyjama alors qu'il est à peine plus de 21h. Votre Dieu est pognon, c'est ça le problème. J'ai en gros 4500 heures à rattraper. D'accord, oui. Et vous êtes où exactement? Écoutez, j'ai cherché un endroit où je n'allais pas tomber sur un Français déçu par la politique. Oui. Du coup, j'ai choisi la Mamounia Marrakech. Alors, certes, il y a quelques Français, mais ils ont la politesse d'être blindés. Mm. Voilà. Excusez-moi, salam alaikum. Malaikoum salam. Si, juste une chose en partie. J'ai laissé les clés d'apprendre et Edouard Philippe. Comme ça, j'ai la certitude qu'il ne passera rien. Mais alors, rien du tout. Justement, ce week-end improvisé d'Emmanuel Macron a mis en colère Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Dis donc, Emmanuel Macron, tu devrais avoir honte d'être parti en week-end. Ça veut le travail le dimanche pour les autres. Et puis, ça s'autorise mardi, mercredi, jeudi à partir en week-end. C'est une honte. Au nom de quoi vous m'empêchez de rentrer à l'Élysée? Hein? Au nom de quoi? Laissez-moi passer. Je veux remplacer le président. Il est crevé, je suis en pleine forme, moi. J'ai la patate. Alors dégage le barbu. Laissez-moi entrer. Je veux être président, j'ai rien prévu ce week-end. On va revenir sur la fatigue d'Emmanuel Macron et on en parle avec... Et l'autre truc qui tourne, c'est sur quoi? L'influence de la conscience sur la matière. C'est comme de dire... L'inconscience de la science... Dans la conscience de la subconscience, je crois, un truc comme ça. On va revenir, si vous voulez bien, sur la fatigue d'Emmanuel Macron. La fatigue, je la comprends, mais je ne comprends pas, parce que, vous savez, il est parti trop tôt. C'est l'erreur typique du débutant, et quelqu'un n'a pas fait. C'est du protocole d'Oxymore. De paradoxe, du contraire, de l'inverse, mais pour capter ça, déjà, il faut avoir un esprit. Il termine à raison qu'il n'a pas tant. Un quinquennat, c'est 5 ans. Première année, très important, l'échauffement, petite foulée, le warm-up, comme disent les coachs américains. Deuxième année, très important, l'observation des problèmes, la vista. Ce qui me caractérisait. Troisième année, mettre en place, élaboration d'une stratégie. Et puis quatrième année, là, on ralentit doucement, en petite foulée, on redescend le rythme cardiaque jusqu'à abandonner 6 mois avant l'élection. D'accord, alors j'ai bien écouté, mais pardon, dans votre quinquennat, vous n'avez pas oublié l'année de l'action, ou ne serait-ce qu'une seule, hein, ça aurait été bien. Oh merde. Ah oui. L'année de l'action, je savais que j'ai oublié quelque chose. C'est bien que vous me rappelez. Oui. Mais c'est pour ça alors que les Français faisaient la gueule. Oui. C'est pour ça, oui. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de l'actu. En image, regardez. On est bien là, en fait. Ah oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde, t'as vu? Ben alors, ça crie ma pète. Don't give up. T'as qu'à mettre ma cougar. Ça me gêne, Aziz, ça me gêne, éthique. Il y a plein de trucs qui me gênent. Ils font juste un pique-nique, ça va. Moi, je dis qu'ils ont de la chance. J'aimerais bien, tu vois, moi aussi, une fois dans ma vie, qu'on trouve une plage. Et puis, retirer nos vêtements. C'est vrai, quoi. Ce serait super. Eh oui, bien sûr. Ils ont raison, les Français. T'es crevé en ce moment, hein. Monsieur Hollande, est-ce que je peux vous poser une question? On ne voit pas son âme à l'argent. Mon copain qui est un peu juif, il m'a dit, la copine, la petite fille ou autre truc a un super grand feu, je veux dire. Et il dit, mais Dieu, c'est l'argent.
c'est pour ça que tu l'as décroché, et tu es parano aussi. Voilà. Oui, ça dépend vraiment des personnes avec qui vous êtes classé, c'est ça ? Voilà. Là, vous êtes ex-écho avec Edith Cresson. Moi, je te dis mon information. On y va. Je vise et je tire. Voilà, c'est ça. L'important, c'est de bien, bien se concentrer. Allez, on y va. Oui, le gros, c'est très cool. Oh, dis donc, vous êtes très doué, monsieur Fontaine. Vraiment. Je me concentre. Oh, extraordinaire. Voilà. J'espère que vous avez pris une bonne leçon. Maintenant, j'aimerais essayer avec... Bazooka. Alors, il y a un autre sondage aussi dont je voulais vous parler. Oui, vous prenez mon ordi. C'est trop génial le compte. Si j'aurais mis De Gaulle, ça m'intéresse, sinon j'ai perdu d'avance. Alors, même sans De Gaulle, en fait, vous êtes dernier. Aujourd'hui, sort dans toutes les librairies ce que je peux enfin vous dire, le livre de Ségolène Royal. Bonsoir, Madame Royal. Bonsoir, Madame Sublime. Alors, ça sonne un peu comme la promesse d'un ton très libre, hein, presque un peu menaçant, ce titre. Oh, j'avais un autre titre, c'était « Ça va jeter dans le ventilo ». Ah, oui, mais mon éditeur trouvait que c'était peut-être un petit peu trop malignant. Ça va chier dans le ventilo. On aime bien si elle fait comme Anne Sinclair. On aime bien si elle chie du sperme ou pas. Il a réussi quand même à s'acheter un château du côté de Tulle. Donc il y a pour raison que ce ne sera pas pareil. Donc voilà, je vais essayer de finir sa tournée. Comment on pourrait vrai les dents Colgate? La Françoise Sagan des Auchan, la Mélie Nothomb des Champions, la Colette des Super-Aides, la Gauche des Arts des Sports. On a compris, on a compris. Dites-moi un dernier mot, Sauvier. Ah, surtout que dedans, ça vous a intéressé, il y a un inédit, un titre inédit de Johnny. Mais non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, si ça peut aider à en vendre un million d'une semaine, ça me rend. Allez, salut à tous. Et à demain. Ils vont encore me dire les droits d'auteur et tout en plus. Insulte, je sais pas quoi. Voilà. Qu'est-ce que je m'en branle. L'astronomie, l'astrologie, l'alcoolologie, je suis chef. J'ai trois A, même les cinq. Alcoologue, addictologue, assermenté. La science de l'éther. J'ai vu l'interféromètre de Nicholson, mais je sais pas, ça m'a pas accroché. Alors ça, non, pitié. Non, alors ça. Les tranches de cake, non, non, ça c'est possible, dégage, putain, c'est pas possible. Non, je veux pas être lobotomisé. La glande pinéale, voilà, ça me botte. Bon, ça s'écoute. Ce qui forme les choses ne sont pas des choses, mais ce qui forme les choses sont les idées, les concepts, l'information. En réalité, la mécanique quantique est la reproduction et la démonstration d'informations, la reproduction et l'exploitation de possibilités, des ondes d'information, des ondes d'électropotentiel. Et le mot potentiel est important. Nous ne parlons pas d'électrons. Nous parlons de potentiel électrique. Et après, il faut se poser la question suivante. Astropotentiométrie. Qu'est-ce que ce terrain? Pourquoi a-t-il des ondes? Une géométrie variable dans l'espace-temps. C'est une mer universelle. Une mer de pure potentialité. Une mer d'existence potentielle et abstraite. Ah tiens, elle comme lui. Bon. Le champ de la supercorde. Et nous sommes faits de ça. La connectivité quantique, la gravité quantique, de la structure de la réalité. Il est très difficile de comprendre cela, mais Erwin Schrödinger, l'inversion des pôles, ça c'est le balèze, ça c'est pas les communes, mais que là c'est le commune. Une probillon aux esprits qui vont de leur âme. Je veux dire, c'est une pub, c'est que c'est de la merde. Quand tu veux jouer au bon Dieu, tu mets pas de pub. C'est comme ça.
Voyons voir. Mais j'ai des films à mettre, j'ai plein de trucs à faire. Quels sont les rapports entre la franc-maçonnerie et le pouvoir politique? La devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité, est devenue celle de la République. Eh bien, c'est le cas de bien d'autres symboles et idéaux maçons. Mais dès qu'il s'agit d'aborder le sujet de l'influence maçonnique dans la vie politique française, les portes, vous le verrez dans quelques instants, ne s'ouvrent pas si facilement. On se retrouve tout de suite pour en parler avec un reportage qui devrait vous étonner. Paris, vous les déloger, c'est le diable. L'ordre de mes couilles. Je suis de l'ordre des instituts de Sumerditus, puis c'est comme ça. Je vais le mettre en pause parce que j'ai faim. Franc-maçonnerie et politique, un sujet tabou. Tabou, t'as rien, c'est du rouge. Tous les soirs, les francs-maçons se réunissent dans ce temple du Grand Orient, rue Cadet, à Paris. Et parmi eux, des ministres, des députés, des maires. Il y aura des réputés. Les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement qui sont effectivement donc membres de la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs les avocats et d'ailleurs tout. Vous faites de la merde sur Terre, putain, vous avez vendu vos hommes. Pas possible. Je suis tout seul à réparer le bordel, là. Putain, merde, je fais crise de Nice, quand même. Je vais reprendre mon diocèse. L'église des Pays-Temps Bleus, c'est les francs-maçons. Mais non, nous on croit pas en Dieu, ce qu'on veut c'est du pognon. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré pendant 4 heures. Ils ont un beau Jésus, allez tous vous faire enculer. Même le 11e pénitent bleu, quand j'ai parlé, m'a offert une clope, on avait fumé au balcon, c'est quand la vitre elle a cassé. Et le lendemain, j'ai parlé d'espace-temps, tout ça, le lendemain il est rentré en psychiatrie. Alors je vous emmerde. Franc-maçonnique, sa merde, ça va pas.